Le SDF de la place de Bretagne. Depuis 10 ans maintenant, j'habite sur le Mail. Je me rends régulièrement au G20 de la rue de la Chalotée pour y faire mes courses. En fait, j'y vais pratiquement tous les jours. Peut-être est-il roumain ? Il parle une langue différente de la nôtre, ça c'est sûr. Avec sa moustache et ses yeux rieurs, il inspire plutôt confiance. Un jour, je lui ai dit bonjour et il m'a répondu. J'ai déposé 2 francs à l'époque dans sa sébille. Je ne peux lui donner que ce que j'ai. C'est un accord tacite entre lui et moi. Ce fameux vendredi-là, il a neigé. Tout était verglacé. Les bus avaient arrêté de circuler et je suis allée à pied jusqu'à République. Ça m'a pris 20 minutes de plus que d'habitude pour m'y rendre. Tout ça pour me casser le nez et ne pas pouvoir rencontrer l'amie avec qui j'avais rendez-vous et qui était rentrée chez elle à cause du froid. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de passer par G20. Il était là, en train de faire la manche. Je lui ai juste demandé si ce n'était pas trop difficile à cause des conditions météo. Il m'a répondu que pour lui, c'était une obligation, qu'il n'avait pas le choix. Alors, éprouvant de l'empathie et de la compassion pour lui, je lui ai filé 2 euros.